Ok, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Non, il n'est pas encore tard. Il est que 17h, 17h20. Pour ce 18e jour d'ouverture des calendriers de l'Avent. Alors aujourd'hui, on va faire un peu particulier. J'en fais beaucoup plus tôt que d'habitude. Et surtout, aujourd'hui, on va faire ça un peu en speed. Parce que je suis pas en avance. Voilà. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai une animation en bar ce soir et enfin dans un café plutôt ce soir et je suis pas hyper en avance, donc on maintient quand même le stream parce que je veux pas rater ces streams qui ont de la bande. On en fait un tous les jours, on a dit on les fait tous les jours, mais pour autant aujourd'hui on va juste se faire les ouvertures et on va pas se faire les scènes globales parce que ça prend quand même pas mal de temps, surtout qu'on commence à en avoir pas mal. On se refera un point demain avec toutes les figurines. Voilà. Sur le City, on parie sur ce machin là, l'espèce de, je sais pas, de camion poubelle on va dire. Chez Harry Potter, on parie sur une malle pour mettre les affaires de sorcier. Chez Marvel, j'en ai aucune idée parce qu'il reste rien qui montre qu'on n'a pas encore eu. Et je pense que, bah, on va dire Thor. Voilà. On va parier Thor. Et chez Star Wars, on va dire le petit droïde volant, l'espèce de petit drone volant là. Alors, on est le 18, déjà le 18. Hop, j'avais déjà à moitié commencé à l'enfoncer celle-là. J'ai reprendre le calendrier une fois. Oh, c'est pas ça, mais c'est mignon. Ça fait partie de ces trucs que j'aime bien, qui font très Noël, forcément. Alors, que je regarde comment c'est fait. Donc, hop. Et là, on va arriver sur une pièce de Lego que je trouve trop mignonne, que j'aime énormément. Qui est le petit canard. Hein. Alors j'avais déjà eu un petit set en mode foire, enfin stand de foire de kermesse, avec un lancer d'anneau, avec des petits canetons. Oh non, c'était peut-être une boîte, je sais plus exactement, c'était peut-être une boîte. Mais j'avais trouvé ça assez adorable. Ça faisait un plateau tournant avec trois petits canetons dessus, il fallait lancer des anneaux. Et donc là, on est a priori sur un atelier de craft de jouets. Alors, comment tu veux qu'on fasse ça? Comme ça, ok. Alors, je suppose que c'est ça. Ça doit être un truc comme ça, dans l'autre sens. Hop, et ensuite ça et ça, voilà. Et donc on a un petit caneton, un petit bateau en bois, on va dire, et donc l'atelier pour les faire et les peindre. Donc j'aime bien les trucs comme ça, un peu en mode bah les scénettes, le mobilier de Noël, on va dire. Genre là, on est sur de la fabrication de jouets. Il y avait la station d'emballage de cadeaux chez Marvel que j'aimais beaucoup. Là, par contre, celui-ci. Dans ce contexte-là de calendrier, j'ai un peu du mal à voir où est-ce qu'on va le mettre. Donc, on s'en occupera demain. Ce sera le problème de demain, puisqu'on ne fait pas la scénette aujourd'hui. Mais ouais, je. J'ai un petit peu du mal à cerner où ça va, ça. Chez Star Wars, 18e case, on est là-haut. Donc chez Star Wars, on avait dit le petit drone noir, le petit droïde noir volant. Oh, et bah c'est bien. C'est ça, on a au moins quelque chose de bon aujourd'hui. Première fois que je tente celui-là, première fois qu'il sort. Bah, comme ça, c'est vite réglé. Je cherche à quel moment on le voit, ce truc-là, dans Mandalorian. Et très honnêtement, ça me dit trop rien. C'est une espèce de droïde. Avec une seringue. Alors. Que je regarde quand ils ont mis ça. Ok. Bon là, ça va être compliqué de le monter une seule main. Hein. Très, 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 très honnêtement. Donc, on va y aller à deux mains. Parce que c'est vraiment un tout petit assemblage avec des pièces avec des tenons de tous les côtés. Ce qui est particulièrement pénible à mettre en général. Voilà. Donc. La petite seringue. J'ai envoyé voler la pièce hyper loin. Hein. Je sens que je vais galérer à la rechercher. Elle est partie où?
Elle est là-bas, ça va. Bougez pas, j'arrive. Est-ce que j'ai pas un truc avec lequel je pourrais essayer d'aller l'attraper? C'est un peu le bazar jusque là-bas. Attendez, je reviens. Je suis de retour, c'est pas la bonne caméra, voilà, c'est celle-là. Donc, hop. Alors, là, c'est peut-être un peu trop enfoncé, encore que ça fonctionne. Après, ça dépend à quelle hauteur on veut le mettre. Et qu'est-ce que ça représente? Je sais pas trop dans la série. Donc, pareil, on va chercher, on verra demain. Une espèce de petite droïde comme ça, avec des seringues comme ça, dans Mandalorian. Ça me parle pas. On verra si on arrive à trouver ce que ça peut être. Chez Marvel, ensuite. Alors, chez Marvel, on avait parié... Qu'est-ce qu'on avait parié chez Marvel? On a dit... On l'a dit Thor, faute de mieux. Mais ça me paraît tôt. Ça me paraît très tôt pour avoir Thor. Enfin, je pense que j'ai Thor, mais pas la mini-figurine. Je pense que j'ai Thor, j'ai foiré mon pari. Et bah alors... C'est quand même une minifig, hein. Du coup, il a l'air hyper chargé en minifig, celui-là. Parce qu'il a montré 5 différentes sur la boîte, on en a 2 en plus, là, déjà. Alors, on va se prendre le support à minifig. Donc, bah, minifig aujourd'hui, c'est cool. Hop. C'est un Nick Fury de Noël. Alors, qu'est-ce qu'il a à la main? Alors, il a une espèce de construction chelou. Pourquoi ils ont mis ça? J'en sais rien. Avec un téléphone, avec une espèce, enfin un topier, avec une espèce de levier sur le côté. Qu'est-ce qu'il est censé contrôler avec ça? Je sais pas. À moins que ce soit une radiocommande et qu'on considère que le petit Queen Jet, le petit héliporteur, ce soit des véhicules télécommandés. Auquel cas, effectivement, pourquoi pas. En tout cas, c'est une chouette minifig. Un petit... bon, il n'y a rien de bien folichon derrière, mais... Un petit Nick Fury de Noël avec le petit logo du shield sur la poitrine et tout. Le petit bonnet et tout. Non, il est sympa. Il est franchement sympa. Bon, ça ne fait qu'une seule bonne éduction sur 4 pour l'instant. J'ai enfoncé une case. Donc ça va, c'est le 1, on l'avait déjà fait. Ah oui, il y a un truc qui se balade, dedans. Ah! Regardez ce qu'on a retrouvé. Je me dis bien que j'entendais un truc se balader. Ça fait plusieurs jours qu'on ne l'avait plus. Voilà. C'est le chou-rose de Peter. Il était parti se planquer dans le calendrier, donc. Et du coup, le dernier, le Harry Potter. Je suis désolé, on va très vite aujourd'hui, mais il faut vraiment que j'aille vite. Au moins, on aura fait cette vidéo. Ce sera pas un replay très long à regarder, c'est ça. Il y aura peut-être même plus d'attente au début que le vidéo. Ah, mais je suis bête. Je suis tellement bête. En plus, je l'avais dit hier. J'avais dit à tous les coups, demain, ce sera Ron. Eh bien, c'est Ron. Avec une autre carte de cheveux grenouille, ça, c'est cool. Et une qu'on n'a pas, j'ai l'impression. Alors, je vais regarder. J'ai encore ma notice que j'avais hier. Ouais, elle est là. 2 minifigs aujourd'hui, du coup. Avec le petit Ron Weasley en tenue de Poudlard. Alors on a la tête effrayée, la tête amicale, on va dire. On va le mettre en tête amicale parce que... Ah, c'est Ron, c'est le bon copain, quoi. Il a 2 paires de baguettes, très bien. C'est vrai que des baguettes, comme on en a 2 par personnage de base, j'en ai pas beaucoup en rab, hein, mais... Voilà, ça va continuer un petit peu. On va lui mettre une baguette en main. Sachant qu'il a une choco-grenouille et une carte de choco-grenouille. On va essayer de lui mettre la grenouille dans la main. Et du coup, la carte de choco-grenouille. Voilà, et voilà pour la carte. Alors la carte, on va regarder qui c'est.
que c'est ça? Yes. Alors, c'est un barbu. Bon, les sorciers barbus, c'est pas comme si j'en avais beaucoup. Hein. Eh bien, c'est Salazar Serpentard. Voilà, carrément. Ni plus ni moins. Bah, c'est cool. Ça fait... Je sais pas combien il y en a de cartes de chevaux. Ils le disent dessus ou pas? Ils le disent pas devant. Ah bah, il y en a deux. Voilà, comme ça, on a eu les deux. Donc on aurait eu Salazar Serpentard et puis la sorcière qui a fait des records en balai là. Comment elle s'appelait? Jocunda Six, Sykes, je suppose. Voilà, et bah écoutez, petit récap. Bon, on n'aurait eu qu'une bonne prédiction sur 4. On aurait pu en avoir deux si je m'étais concentré parce qu'hier je l'avais parié que ce serait Ron vu qu'on était sur l'arrivée au train. Mais bon. Là, on a été bête, hein, écoutez. On veut aller vite et on se trompe dans les prédictions. Voilà. Donc chez Harry Potter, le petit Ron Weasley. Chez Marvel, le petit Nick Fury. Qui peut essayer de radiocommander Ron Weasley, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Chez City, on a une petite... Ah bah à l'arrière, on peut dire qu'il a fabriqué un bateau à moteur et qu'il essaie de le contrôler. Ça marche aussi plutôt que de contrôler Ron Weasley. Ou alors, bah non, je suis bête. Si on a un truc à contrôler, c'est le petit drone. Bon bah on oublie tout. Nick Fury contrôle le petit drone qui va aller mettre un coup de seringue à Ron. Pourquoi? On sait pas, mais c'est ce qui va se passer. Voilà. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là, je suis vraiment désolé, c'est le rush aujourd'hui. Mais on aura pas streamé très longtemps. Hein. On aurait fait ça, on me déclare. On se refera les petites scénettes demain avec tout le monde. On prendra un peu plus le temps demain. Et je vous raconterai un petit peu tout demain sur pourquoi j'ai speedé à fond aujourd'hui. Mais en tout cas, au moins on a ouvert les cases. On continue. 18e jour de stream d'affilée. On est content. On y arrive. Plus que 6 pour Noël. Pour arriver jusqu'au réveillon de Noël. C'est cool. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne soirée. Je vous dis peut-être à demain 19h. Cette fois-ci, on revient sur l'heure normale. Pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Et je vous souhaite un bon week-end. C'était Denote. Bye bye.